J'accueille Daniel Picouli. Bonsoir, ça va ? Ça va. Vous êtes écrivain et désormais animateur d'une émission littéraire sur France 5 qui s'appelle Café Picouli. Vos romans les plus célèbres sont largement inspirés par l'enfance. Et vous revenez aujourd'hui, Daniel Picouli, avec 3 livres pour enfants. Vous êtes fasciné par l'enfance, hein ? Oui, ouais, et puis j'ai une fille. J'ai une fille de 8 ans. Ouais. Et moi, ce que j'essaie de tous les jours, c'est d'être élu père de l'année à chaque fois. Je veux la séduire. J'ai une gamine de 8 ans que je trouve extraordinaire. D'ailleurs, elle est dans le livre. Hein. J'ai mis sa photo à la fin du livre. L'idée, c'est de raconter l'histoire d'une journée dans le monde pour des enfants. Alors, j'ai pris ma fille qui me pose toujours des questions du genre, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Et alors, on a découpé la journée. Et tout au long de la journée, on se projette dans le monde entier grâce à des images qui sont assez superbe. C'est le livre qui s'appelle Lumière d'enfance chez Michel Lafond. Ouais. Donc la bonne idée, effectivement, c'est une très belle idée, c'est de montrer la journée d'un enfant dans le monde. Voilà. Ouais. Mais en poétisant aussi, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est raconter des fables à ma gosse, parce que le monde, il est assez, je trouve, assez violent. Lui raconter, on a le temps pour leur raconter la saloperie du monde. Il y a le temps. Ouais. Hein, moi, je suis un produit d'un mensonge. Mon père m'a toujours menti quand j'étais gamin, et m'a menti avec bonheur, et je raconte dans le champ de personne, quoi, quand ce type qui a une cicatrice dans le dos, alors qu'il a été opéré d'un poumon, il me dit ça, c'est une griffe de tigre. Le gars m'embarque pour le rêve, pour la vie. Ouais. Et je suis un gars qui milite pour le mensonge aux enfants, le mensonge poétique. Ils ont le temps de découvrir la merde. On a le temps. Alors, en attendant... Oui, mais il faut quand même leur dire une certaine vérité. Absolument. De temps en temps. Lis, s'il te plaît. Lis, tu vas voir. Bien sûr qu'on leur dit des vérités. C'est Bettelheim qui disait qu'il ne faut rien occulter aux gosses. Il faut tout leur dire, sinon tu te retrouves dans la merde. La psychanalyse des contes de fées de Bettelheim. Je vois, j'ai des spécialistes à la maison. Il va venir à Café Picouli. Il piétine, il a envie. Donc c'est non, j'ai rien à foutre, mais j'aime bien Bettelheim. Ouais, t'aimes bien les combats. Voilà. Donc ça s'appelle Lumière d'enfance. Donc on voit la journée d'un enfant, on voit tous les enfants du monde, comment ils se réveillent, le chemin de l'école, la classe, la famille, la fête, après l'école. Il y a des photos magnifiques. Magnifique. Alors après, il y en a une qui s'appelle Lulu un amoureux, c'est quoi ça? Oui, bah Lulu un amoureux, ah, c'est classe, pas... ça. Voilà, parce que ça c'est... Alors toute une série, c'est le cinquième numéro d'une série de petites... ma fille, encore une fois, a paumé sa tortue, hein, c'est comme ça. Et donc moi je suis chargé de raconter les histoires. C'est parce que t'as une fille. Donc, et alors il y a Poussette de tout là-bas. Alors c'est quoi Poussette de tout là-bas? Alors Poussette de tout là-bas, c'est le conte de Christian Andersen qui a été... j'allais dire transformé à ma manière et qu'on a un petit peu caraïbisé, on l'a envoyé du côté ou de la Guyane ou des Antilles. Mais fondamentalement, Poussette, c'est une histoire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Poussette? C'est une petite gosse qui apprend à dire non. C'est-à-dire une petite gosse, c'est ça le conte de Poussette, c'est-à-dire une môme à qui on apprend que c'est pas parce que tu es belle que les gens ont des droits sur toi. C'est pas parce que tu es jolie, que tu es toute petite, que tu es toute mignonne, qu'on peut te prendre, t'accaparer comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent que parce que les enfants sont jolis, parce qu'ils sont agréables, parce qu'ils sont beaux, petits, mignons, on peut en faire ce qu'on veut. Ouais. Et ce conte d'Andersen, quoi qu'on on le lisait plus comme ça. Et je crois qu'il faut si on le relit comme ça... Et aujourd'hui, moi, je peux dire, toujours, ma gamine, elle va à la danse. Et il y a sur le vestiaire maintenant, des trucs qu'il n'y avait pas avant. Les papas sont interdits d'entrer dans les vestiaires. Il y a une petite affichette. Aujourd'hui, quand on est papa, on ne peut pas entrer dans les vestiaires des petits. Et on sait bien pourquoi, on sait bien tout ce qui rôde, tout ce qui fait peur, tout ce qui effraie. Et moi, ça m'a pincé le cœur de me dire que je ne pouvais pas aller accompagner ma môme qui était à la bourre. Il fallait qu'elle s'habille. Elle allait encore rater le début, l'échauffement du cours de danse, comme d'habitude. Voilà, c'était... Non, je rentre pas. Non, respecter ça. Daniel Picouli. Attends, il se parle en créole, là. Attends, c'est vrai, je suis d'origine martiniquaise, je suis carteron, mais voilà. La première fois que je t'ai vu, j'étais sûr que t'étais... Un arabe. Ouais, d'Oran. C'est vrai que vous étiez à l'école pendant la guerre d'Algérie, et vous dites, avec ma tête d'arabe, c'était pas facile, quoi. Non, c'était pas facile, et en plus, mon père travaillait en Algérie, et je suis allé, j'ai écrit un livre qui s'appelle Fort de l'eau, qui se passe en Algérie, et j'arrive, je viens de ma banlieue, où les gars me disent, mais qu'est-ce que tu fous avec cette gueule-là, qu'est-ce que tu fais en banlieue? J'étais là, j'arrive là-bas, et on me dit bienvenue. C'est-à-dire, c'était le premier pays où j'arrivais, où tout le monde était comme moi. Et d'ailleurs, à Alger, près de Fort-de-l'Eau. Et d'ailleurs, je raconte que je prends une raclée
Dès que j'arrive, je prends une raclée, c'est bienvenue au club, parce que j'étais en train de manger un sandwich avec du saucisson, ralouf. Il y a un petit, il y a un vieux qui m'a attrapé, il m'a mis une raclée. Et je te jure, c'est la raclée. C'est, ouais, c'est la raclée qui m'a fait le plus plaisir au monde. C'est un gars qui me disait, t'es d'ici, t'en mérites une bonne. Quoi. Donc vous avez été élevé dans une cité, hein, à Orly. Oui, à Orly, oui. Voilà. À Orly, ça s'appelait la Cité Million. Alors nous, on croyait tous que c'était la Cité des Millionnaires. Pas du tout, c'était une cité où chaque appartement était construit pour 1 000 000 francs, 10 000 francs. Et on est étonné qu'elle soit rasée. Ma cité, je peux pas emmener ma gosse. Voir la cité dans laquelle j'ai vécu quand j'étais gamin. Ça, c'est assez douloureux, mais il faut reconnaître quand même que dans les années 60, et c'était l'Eldorado. Hein. Ouais. Le vide ordure, le machin, la première baignoire, les dalles en plastique, le chauffage central. Je te rassure, c'est pareil, aujourd'hui encore. On rêvait de ça.